Et en ce jour tant entendu que l'Éternel a bien voulu que j'assiste aujourd'hui, je me sens très heureuse parce qu'enfin je vais obtenir mon diplôme de doctorat en médecine. C'est vrai, je suis un peu stressée, mais je sais que par la grâce de Dieu, tout ira bien. Et aussi, mes proches sont là pour m'encourager, donc je sais que j'aurai une note excellente si c'est à Dieu. S'agissant donc du thème de ma thèse, c'est l'évaluation de l'effet des habitudes de succion sur l'occlusion et la santé dentaire chez les enfants âgés de 2 à 5 ans. En fait, il était pour moi de déterminer l'ampleur de ces habitudes de succion sur la population camerounaise, notamment celle de Yaoundé. En effet, les habitudes de succion ont des effets néfastes sur les arcades dentaires. Donc de ce fait, pour moi, je recommanderais aux populations, surtout notamment aux parents, de s'impliquer davantage en ce qui se concerne les habitudes d'alimentation de leurs enfants et de promouvoir l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois au moins. To continue studies
on the screening and the qualification health support and their complications. To help professionals taking account of these findings to improve the oral health of preschool children, to community, to join behavior change communication in order to stop these habits of soaking the possible cradle. Je me sens soulagée de remercier le Dieu Tout-Puissant parce que j'avais tellement peur des questions qu'on pouvait me poser. Donc je remercie le bon Dieu parce que je sais que j'ai pu répondre. Même malgré le stress, j'avais les idées claires et j'ai bien présenté. Donc je remercie Dieu et j'espère que la note sera vraiment excellente parce que je mérite cette note-là. Merci. Mon état d'esprit est au beau fixe. Parce que nous connaissons les aptitudes de notre enfant à connaître depuis sa naissance et depuis son entrée à la faculté de médecine. Donc nous n'avons pas d'inquiétude de quoi que ce soit. Et nous remercions l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui l'a conduit dans un domaine qu'elle avait choisi depuis son enfance. Oui. Et j'ai le moral au beau fixe. Je n'ai pas de crainte de quoi que ce soit. Et à l'issue de cette délibération, le jury à l'unanimité nous a donné une note de 90 sur 100. Je suis contente et je méritais, je voulais même plus que ça me va au 90%, ça c'est vraiment bon. Perspective à venir, il faut que je continue ce projet parce que je voudrais écrire un article sur, pour la suite de mon étude et voir, on ne sait jamais être dans un programme où nous sommes par rapport à cette étude. Donc voilà mes perspectives. Je remercie tout d'abord Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour permis d'être là. Je remercie mes parents infiniment. Je remercie mes frères et soeurs, mes amis, mes camarades de la 41e promotion. Je remercie mon petit cœur qui me fait triste. Je remercie tous ceux-là qui ont contribué de fort de moi pour que ce soir arrive. Merci. Et les parents, je remercie mes parents infiniment pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Merci. Dieu soit heureux pour cela. Je pense que vous l'avez.